Dearest sister, I've been away for so long, I've almost forgotten the cold of our home. You know I grow restless when life is ordinary and boring. Though in Lior, fuses of excitement can be found everywhere, just waiting for the right spark. Not much of an adversary, but enough for a sideshow, I guess. Time to end this! Now's our chance! That's so? If you were smart, you wouldn't charge into unknown danger. It'll be an easy victory, but I still won't hold back. Your brother has just been taking care of some trivial matters here, really. But Tonya, rest assured. The future that Tsuritsa desires, the future the people of Shneznaya desire, it will be had. Et yo tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va donner mes ultimes conseils pour invoquer sur le portail. Comme vous voyez, j'ai les taux de drop affichés juste ici. On avait fait ça lors d'une précédente vidéo, ça permet de faire une piqûre de rappel. Et en plus, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tout simplement de mettre en avant ces calculs-là. Alors très important, première chose à dire, ça va être que je ne suis pas l'envoyé de MiHoYo, bien sûr. Hein, je fais cette vidéo à titre informatif. Donc mon but n'est clairement pas de vous faire poule sur les portails ou user de l'argent. Vous faites tout en votre âme et conscience, je ne vous inciterai jamais à poule ou à mettre de l'argent sur le jeu. Deuxième chose, c'est que ces taux ont été calculés en fonction des données officielles fournies par MiHoYo. Ces données-là sont disponibles par vous tous. En fait, vous avez juste à aller dans le menu pour les vœux et d'afficher les détails. Donc, sur les détails, il y aura marqué qu'on a notamment 0,6% de chance par tirage d'avoir un personnage 5 étoiles, qu'au bout de 90 invocations, si au bout de 89, vous n'avez pas eu de 5 étoiles, la 90e vous garantit un perso 5 étoiles. Lorsque vous avez un perso 5 étoiles, le premier a une chance sur deux d'être le perso de la bannière, donc Child. Et lorsque vous avez un deuxième 5 étoiles sur la bannière, vous avez Child garanti si vous ne l'avez pas eu lors de votre précédent tirage. Donc ceci étant dit, il faut préciser aussi que lors du premier tirage, on va avoir une chance sur deux. Et que ça soit Child et que l'autre probabilité soit tous les autres persos qui sont disponibles dans la bannière permanente. Donc à savoir que ce sont des exclusivités temporaires, c'est pour ça que c'est la bannière temporaire, que Child ne va pas revenir avant un très long moment comme Vanchi. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer à analyser tout ça. Je compte sur vous comme d'hab, le petit pouce bleu ça ferait plaisir. Et puis je vous remercie d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait grandement plaisir que mes vidéos vous plaisent. Donc un grand merci à vous tous. Alors, donc lors du premier tirage, vous allez avoir 0,6% de chance d'avoir un 5 étoiles. Lorsque vous allez faire une multi, vous allez avoir 5,84% de chance d'avoir un 5 étoiles, sachant que Tartaglia donc a 3% de chance de sortir lors de la première multi. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez déjà invoqué, vous l'avez eu à la première multi, sachez que vous êtes très chanceux. Donc pour détailler un peu plus au niveau des taux, ils n'ont pas été faits par moi, ils ont été faits par un ami donc, qui est beaucoup plus apte que moi au niveau calcul de statistiques. Donc comme la pitié intervient, etc., c'est des calculs qui sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît. Et donc je lui ai laissé la charge de ça, donc d'ailleurs un grand merci à lui et aussi pour vous dire que j'ai totale confiance en lui et que ces taux-là, je peux vous garantir qu'ils sont sérieux. On a aussi des rumeurs sur les forums, d'ailleurs très important, des rumeurs sur les forums, sachant que ça n'a pas été prouvé, qui disent qu'au bout de 75 pools, donc on va avoir un taux augmenté de drop jusqu'au 80e apparemment. Alors, ce taux de drop a été fait sur un échantillon de 9000 tirages. Ce que je trouve très peu en fait à l'échelle d'une statistique, 9000 tirages c'est clairement pas assez me concernant pour avoir une statistique fiable. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je ne prends pas en compte ces statistiques là, je ne prends en compte que les statistiques officielles. Il faut savoir qu'il y a sûrement bien sûr
des taux de drop cachés, enfin quelques infos que je n'ai pas, mais avec les infos disponibles pour le moment, donc c'est normalement des taux corrects. Donc revenons-en au taux de drop. On peut voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'au 89e pool, donc juste avant d'avoir l'APT qui nous garantit un 5 étoiles, qui a lui-même une chance sur deux d'être Tartaglia, on va avoir 41,47% de chance d'avoir un 5 étoiles. Donc on voit bien que juste avant la Paletti, enfin la Pichi pardon, d'ailleurs ceux pendant la précédente vidéo qui m'ont dit ça se dit pas comme ça, désolé si je vous ai un peu fait mal aux oreilles. Donc la Pichi, c'est une donnée très importante parce que ça permet de voir tout simplement qu'à la 90e multi, on a plus de chances de ne pas avoir de personnage 5 étoiles avant la Pichi que après. Donc c'est une sorte de dédommagement la pitié, hein, c'est une sorte de dédommagement pour que les gens qui fassent 60-70 vœux aillent jusqu'au 90e pour avoir le personnage garanti, je pense. De toute façon, la logique des gachas est de pousser à la frustration, c'est une frustration qui elle-même pousse à l'achat dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et faire vraiment ses achats en toute âme et conscience. Je compte sur vous pour vraiment être vigilant à ce niveau-là parce que ça va très vite lorsqu'on est sur un gacha au niveau des dépenses. Alors, donc, bien sûr, au 90e vœu, donc on a 100% de chance d'avoir un 5 étoiles, vu que la pitié intervient, et on a 55% de chance d'avoir tout simplement Shine. Donc, Tartaglia. On va continuer à l'appeler Tartaglia pour que ça soit un peu plus clair. Donc, comme vous voyez, la première colonne, en fait, ça va être tout simplement d'avoir au moins un 5 étoiles pendant le nombre de vœux que vous allez mettre. Donc, un 5 étoiles en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 et 90 vœux. En bas, quand on descend, ça va être tout simplement au moins 2 5 étoiles vu que la pitié est déjà intervenue et on s'arrête à 180, sachant qu'à 180, de toute manière, le perso de la bannière est garanti. Ce n'est plus utile de continuer à faire ses stats. La colonne de droite, celle-ci, ça va être le taux unitaire de Tartaglia, donc simplement le taux d'avoir Tartaglia et lui seul, donc avec le nombre de pulls qui a été effectué. On voit que lorsque la pitié est activée, la première, donc le 5 étoiles, ça va être 55,11%. Donc on va avoir un tout petit peu au-dessus de 55% d'avoir le personnage de la bannière. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Si on a mis directement les 90 invocations, normalement, on a plus de chances d'avoir le perso de la bannière qu'un autre perso. Au niveau donc de la suite, on peut remarquer qu'à partir de 155 vœux, on va avoir un taux unitaire de drop de Tartaglia qui va être plutôt haut. Donc qui a à l'instar d'à peu près 75%, un peu au-dessus. Donc c'est vraiment là que le taux d'avoir Tartaglia devient vraiment intéressant, entre guillemets, et qu'on a vraiment des chances de l'avoir, donc je dirais autour de 155 vœux. Donc à 180 vœux, on a Tartaglia garanti. Et à 179, donc juste avant la pitié, vous voyez qu'on a 82% de chance d'avoir Tartaglia. Sachant que le taux de drop de 2, 5 étoiles est de 65%. Pourquoi 65%? Parce qu'on a le premier perso qui va être garanti, le 5 étoiles à la 90e. Et en gros, ça va être votre chance d'avoir du 90e pool au 179e, un deuxième 5 étoiles. Donc, vous voyez que quand même, il faut mettre pas mal de pool pour espérer avoir un perso et que la pitié va être vraiment primordiale dans la gestion de vos gemmes. Je rappelle que la pitié se transfère d'un portail du même type à l'autre, donc que le portail arme n'a pas une pitié indépendante et que sa pitié ne se transfère pas sur le portail permanent, de même que la pitié du portail permanent ne se transfère pas sur le portail temporaire et que le portail temporaire a sa pitié propre qui ne se transfère pas aux autres. Sachant que c'est la première pitié qui se transfère et pas la deuxième selon les dernières informations. Donc ça va être tout simplement le taux de drop du 5 étoiles garanti et ça ne va pas être le personnage de la bannière. Je vous donne un exemple, vous avez invoqué sur Klee, vous avez fait 160 pulls, donc vous avez eu un premier 5 étoiles avec la pitié qui n'est pas Klee, et votre deuxième 5 étoiles était Klee garanti. Vous avez arrêté au 160e pull, vous vous dites, si j'arrête à Klee ici, j'ai plus que 20 vœux à faire pour avoir les 180 et avoir Klee, mais je préfère les garder pour mon prochain portail, comme ça le personnage de la bannière sera garanti. Eh bien non, la deuxième pitié ne se transfère pas, c'est seulement la première, donc celle qui garantit un 5 étoiles. Si vous n'avez pas eu le perso de la bannière dernièrement, vous n'allez pas avoir le perso garanti lors de la prochaine. Vous allez juste avoir le 5 étoiles garanti. Ça, c'est une info qui est très importante à souligner. Et donc, voilà l'ensemble de mes conseils que je voulais vous donner avant que vous invoquiez sur ce portail pour que vous ayez toutes les cartes en main, en fait, pour bien essayer
de maximiser vos chances d'avoir le perso et d'être surtout conscient de ce que vous faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait grandement plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Et d'ailleurs, les lives qu'on fait sur Twitch tous les soirs à 19h30, je rappelle, un gros live invocation. J'espère que vous serez nombreux vraiment. Sur Tartaglia, on espère qu'on va choper donc mercredi à 20h. Normalement, le portail sera disponible mercredi. Et si jamais mercredi ce ne sera pas possible, ça sera jeudi. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.